Et bonjour à tous sur Télé Béziers Sud, bonjour Bruno. Et bonjour. Nous sommes au Vide-Grenier à Colombier, donc avec de nouvelles choses à vous montrer, parce que vous avez fait un réaménagement. Un réaménagement total du magasin. Deux tiers du magasin ont été réaménagés pour accueillir encore mieux. Voilà, pour accueillir encore mieux, que ce soit encore plus agréable l'expérience. Tout à fait, visuellement c'est beaucoup mieux. Allez, donc ben, on rentre, il y a un guitariste qui nous attend. Allez, je vous en prie. No tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de ben pasado. Ben belé, ben belé, ben belé, ben belé. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, ole. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Y no te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Por esto un día te cuento si de nada. Lo mismo la calle, lo mismo soy yo. Allez, on continue. Allez, on continue. On a vu le guitariste. On va faire la visite. Il a de la voix, ce guitariste. Il a de la voix. Et il envoie du lourd. Il envoie du lourd. Et venez donc, hein, on vous invite à venir si vous voyez ce direct à Colombier, au Vide-Grenier, pour voir ce nouvel réaménagement. Alors, voilà, auparavant, c'était tout en long. Et maintenant, c'est moins en long. C'est beaucoup plus aéré. C'est beaucoup plus aéré. Hein. Voilà. Toujours par thème. Tout ce qui est enfant, petit mobilier. Alors, enfant ici, voilà. Mobilier, chaise, la pêche là, devant nous. Voilà, les luminaires un peu plus loin. Des penderies, alors des penderies que l'on voit au fond, mais des penderies aussi sur la suite du mur. Hein, tout à fait, tout sur le la long, gauche, un peu plus bas au niveau des box. Tout à fait, parce qu'il y avait une telle demande et ça repoussait jusqu'en octobre les locations. Ah. C'est trop long pour les gens qui avaient des choses d'été à vendre. Donc on a décidé de créer 10 stands de penderies supplémentaires. Ah, il y avait la demande. Ah, il y avait une demande terrible. D'accord. Et il y a toujours une demande terrible. Et vous êtes resté ouvert pendant les travaux, parce que les gens, il fallait qu'ils mettent en place leur box. Voilà. On a ouvert partiellement. Bon, la moitié du magasin a été fermée. Ça nous permettait de travailler en sécurité. Ça nous permettait de travailler en sécurité pour éviter un accident. Mais bon, en 4 jours et demi, tout a été fait. Vous avez bossé, hein. Ça a bossé dur. Là, toute l'équipe s'y est mise et ça a envoyé du lourd aussi. Bon, oui, vous êtes une sacrée équipe, hein. Bien soudée, travailleuse. Et donc, on voit les box qui sont un peu réparties. Venez. Comme ça, voilà, on va... Au lieu que ce soit des allées complètes, ça a été scindé en petits espaces. En petits espaces, voilà. Ouais. Voilà, vous en avez là, vous en avez, vous voyez, disposé un peu partout. Avec toujours, bien sûr, pour la sécurité, de grandes largeurs de passage. Voilà, on peut circuler. Hein. Ah oui, c'est, voilà. Tout est calculé pour les personnes à mobilité réduite, qu'elles se sentent à l'aise dans le magasin. D'accord, très bien. Voilà, venez. Impeccable, on continue. Pardon. Non, c'est la télé qui passe. Ouais, le fond a été complètement réaménagé. Voilà. Voilà, toujours par thème, le sport au fond, les vélos. Le sport, voilà, les installations pour faire du vélo, faire de l'elliptique. Voilà, et puis les lumières, là, sont bien posées, les luminaires. Voilà, c'est sur une pergola. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, il y a des zones. La zone tableau. La zone tableau, il y a la zone literie, hein, voilà. Aussi, que vous faites depuis les états, on en avait parlé. Tout à fait, vous voyez, là, on a... La zone tableau. C'est un peu comme Ikea, quand vous rentrez dans une pièce, il y a tout. C'est vous ça, c'est agencé, oui. Voilà, ça fait comme un petit salon. Là, un clic-clac à 100 euros, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment pas cher. Il est dans un superbe état. Superbe état, oui. Ah, et puis alors, on a réaménagé derrière pour tout ce qui est en pierre. Ah voilà, l'artiste qui expose chez vous. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, des œuvres. On en avait parlé déjà. Elles rentrent et elles repartent dans la foulée. Impeccable. Voilà, et là, donc, à nouveau... C'est sa boutique pour lui, c'est sa boutique ici. Voilà, voilà des tableaux. Miroir intérieur, tableau et... Luminaire aussi un petit peu. Impeccable. Voilà. Et voilà donc. Tableau également. Voilà. Vous voyez ce grand tableau, par exemple, je prends un exemple, 29 euros ce grand tableau de New York, qui est très grand quand même, hein, qui est impressionnant. Oui.
là, 29 euros. Voilà. Voilà. Il y a de quoi trouver son bonheur. Impeccable. Voilà. C'est vraiment plus agréable l'expérience. Je pense. Ouais. Visuellement, c'est beaucoup plus agréable. Visuellement, ouais. C'est ce qu'il fallait. Et puis les gens aiment bien un peu le changement. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Toujours se remettre en question. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Répondre toujours à satisfaction. Très bien. Donc, les horaires ne changent pas, Bruno, hein? Non, toujours pas. Toujours 10h. De 10h à 19h. 10h, 19h, tous les jours. Tous les jours, sauf le dimanche. Sauf le dimanche, d'accord. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, on se repose. Oui, à la messe. Ou alors, on se repose. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Avec plaisir. Et bon courage aussi, parce que je rappelle quand même que vous êtes retraité, que vous êtes lancé dans cette aventure, et qu'il faut en vouloir, et que bravo, vraiment. Il faut en vouloir. Le plus important pour nous, c'est d'avoir créé 7 emplois. Ouais, 7 personnes sur le marché du travail qui sont maintenant chez nous. Et vous êtes, content, ça, ah oui, ça. Oui. On a une belle équipe. Super. Ben merci beaucoup, Bruno. Et on vous invite donc à venir au Vide-Grenier, à découvrir ce nouvel agencement. On va filmer un peu de loin pour qu'on voit. Voilà. Voilà, il y a un commentaire qui nous dit à côté de Action à Colombier. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Action et électrodépôt. Électrodépôt, et c'est derrière Brico-Dépôt. Voilà, ben merci Bruno, on va clore ce direct. Et voilà, ben merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.